La flèche de Didyme Autique. Sur la main, il avait le stigmate. Sans cela, il n'existait pas d'entrée. Mémoire du futur. Tout était comme les manuscrits. Et le château encore là, comme s'il attendait la suite, comme s'il n'avait rien oublié du passé. Parmi les pierres, il ne voyait que le ciel. Il y avait aussi le temps, cependant. Il ne s'était pas arrêté depuis des siècles. Alors, quand il trouva la pointe d'une flèche qui appartenait à une autre époque, même si c'était incroyable, il ne fut pas surpris. Bien que cela n'ait pas de sens de prime abord, il était sûr qu'il y en aurait un à la fin. Le problème est que c'était une autre région. L'Europe était plus grande qu'il n'y paraissait. Et les mouvements du passé étaient devenus à la longue de véritables actes. Il se souvenait de la bibliothèque. Là, il avait vu cette pointe pour la première fois. Elle était carrée à l'endroit le plus pointu. Cela permettait d'ouvrir les liens sous l'armure. Quand il l'avait percée pour la première fois avec force, et maintenant, il voyait la flèche de Didyme Autique.